الحمد لله القائل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذونه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية: سأصرف عن آياتي، أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق. وهذا هو المعنى الكبر. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، كما جاء في حديث أبي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه إمام مسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من هذا الخلق السيء، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son livre, dans Sourate Al-A'raf, il dit: Sa'asrifu an ayati, je détournerai, ou je vais détourner de la compréhension de mes versets, de la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yatakabbaruna fil ardi, ceux qui s'enflent d'orgueil sur la terre, bi ghayri al-haq, sans aucun droit. Le kibr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le sens de cela dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit: إذ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذ ne rentrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Alors, les compagnons ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: mais l'un d'entre nous, on aime souvent porter de beaux vêtements. On aime aussi souvent s'habiller bien. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: là. Il dit: le kibre, ce n'est pas cela. Dans un autre riwaya, il dit: Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et Allah aime ce qui est beau. Alors cela ne rentre pas dans le kibr. Mais il dit: al-kibru
بَتَرُوا الْحَقِّ Refuser la vérité, wa ghamtu an-nas et mépriser les gens. Hada ma'na al-kibr. Ya ibad Allah. Ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala allaqa huna al-iqab. Il a relié ici un châtiment à celui qui vient avec ce comportement-là. Ce comportement, c'est un très mauvais comportement. Qui a quoi? Refuser la vérité et mépriser les gens. Et Allah, il dit, « Sa asrifu an ayati » Je vais détourner de mes signes, de mes versets, de la compréhension de ma religion. Toute personne qui s'enfle d'orgueil, lorsque la vérité lui parvient, il jette cela derrière lui. Hatta il dit, celui-là, il a dit pour lui. Mais est-ce que c'est la vérité? Donc il refuse la vérité. Wa ghamtu an-nas et le mépris des gens, c'est ceux-là qui disent que nous nous y sommes enlevés. Ce sont des enfants. Ce sont des gens qui sont insignifiants. Pourquoi moi je dois accepter la vérité venant de celui-là? A'ouz billah, qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Et ce comportement d'Akhala Hatta Sil A'imma, c'est rentré même dans le comportement, ce comportement est rentré dans le caractère de ceux qui doivent être des imams, des guides de la communauté musulmane et qui doivent dire aux gens de ne pas adopter ce comportement. Mais eux-mêmes, ils ont adopté ce comportement. Voilà pourquoi lorsque tu vois l'un d'entre eux, il fait une erreur en public, on l'interpelle, il refuse de revenir. Imma, il dit celui qui a parlé, c'est un ignorant. Alors, Imma, il dit que je n'ai pas le temps pour lui. C'est le mépris des gens. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Batarul haq wa ghamtu an-nas. Refuser la vérité et mépriser les gens. C'est ce qui est le kibr, ya ibad Allah. Qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Et ce comportement aussi a pénétré aujourd'hui dans la société. Les gens refusent la vérité tout simplement parce que ça vient d'un imam qui n'est pas son imam. Ils refusent la vérité. Ils refusent aussi la vérité lorsque cela concerne son imam. Car pour lui, ceux qui parlent ne sont en réalité que des enfants. Ne sont en réalité que des ignorants. Il refuse aussi cette vérité-là. Regardez la promesse d'Allah. Celui qui emprunte ce chemin, la Bouddha en yaqa fi tariq il riwaya. Il va tomber dans la voie de l'égarement. La Bouddha. Parce que wa in yara usabi la rusdi. Même si ceux-là, ils ont vu la voie de la vérité, la yattakhidhu musabila, ils ne vont pas l'emprunter. Parce que ça vient de Fulan et puis Allah. Wa in yaraw sabila al-ghayy. Mais s'ils voient la voie de l'égarement, yattakhidhu musabila, ils vont le prendre. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que Allah a mis un voile devant leur cœur qui les empêche de voir la vérité parce qu'ils ont refusé la vérité. Donc Allah les a promis, il dit ça asrifu an ayat alladhina yatakabbaruna fil ard bighayri al haqq. Ceux qui s'en foutent d'orgueil. Ya ibadallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ce mauvais comportement. Car c'est un comportement, celui qui l'adopte sans savoir, il glisse
un peu, jusqu'à ce qu'il sort par la grande porte, car nous prions du ciel. Voilà que, lorsque la vérité nous parvient, wa inja amin kafir, même si la vérité vient d'un mécréant, lui il a sa mécréance, on accepte sa vérité. Voilà pourquoi lorsque le shaitan, il est venu à Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, et il a dit à Abu Huraira qu'il y a une chose qui nous moins, yani qui a le dessus sur nous, et c'est Ayat al-Kursi. Récite-le. Lorsque Abu Huraira est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, Sadaqa. C'est le shaitan, mais il a dit la vérité. Mais wahua kazou. Mais lui-même, c'est un grand menteur. Mais là, il a dit la vérité. Voici un noble comportement. Qui a le fait d'accepter la vérité. Wa inga amina adouik. Même si la vérité vient de ton ennemi, il faut l'accepter. Même si cela vient de ton ennemi. Même si cela vient de quelqu'un qui est en bas de classe par rapport à toi, accepte ta vérité pour ne pas être parmi ceux à qui Allah les a promis ce châtiment. Car le fait de te détourner de la compréhension de la religion correcte, c'est un châtiment. Car ce châtiment commence dans cette dunya et finit dans l'au-delà. Qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين